Bonjour à tous. Claire Mensler, Société Géoénergie Aquavision Géoconsultis. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Galichet, qui est l'inventeur du SpeedoClar, qui s'installe dans les stations d'épuration, dans les clarificateurs, et il va vous présenter sa technologie. Merci. Merci Claire. Donc, je vais vous présenter ce que j'ose appeler une révolution dans les stations d'épuration. Une station d'épuration, parmi vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas comment ça fonctionne ? Vous avez le droit. Hein ? Moi, quand je suis arrivé dans les stations d'épuration, je ne savais pas comment ça fonctionnait. C'est pour ça que j'ai eu une idée qui n'était pas dans les bouquins et qui m'a permis de trouver autre chose que ce qu'il y avait dans les FNDAE 33, les SEMAGREF, ceci, les trucs et les machins. Et je me suis posé des questions qui n'avaient jamais été posées en un siècle, puisque ce sont des Anglais qui ont trouvé l'idée de la boue activée. Ça a été inventé par deux Anglais, j'ai perdu leur nom, mais il y avait Johnson et Whisky peut-être, ou quelqu'un d'autre comme ça. Mais c'était très sérieux leur système. La boue activée, vous connaissez, dans les stations d'épuration, il y a 90% des stations qui sont en boue activée. Et la boue activée, je vous rappelle comment ça fonctionne. Vous avez une station d'épuration qui reçoit des effluents. Les effluents sont d'abord traités en primaire. Donc, on va trier, on va retirer tout ce qui flotte, tout ce qui coule. On va retirer les filasses. On va essayer de donner un jus à peu près correct à manger à des bactéries dans le deuxième point, c'est-à-dire le bassin d'aération. Ce bassin d'aération, on peut l'oxygéner de la façon qu'on veut. Et derrière, on a le clarificateur qui va trier les bactéries qui sont issues du bassin d'aération. Actuellement, les bactéries dans les stations d'épuration, ce sont essentiellement des systèmes. Le tri des bactéries se fait par le plot central et il y a le système de la jupe qui s'appelle le Clifford qui pose des graves problèmes et qui est à l'origine du voile de boue dans les stations d'épuration. Voilà le SpeedoClar. Le SpeedoClar est en fait un déflecteur ou un aileron, c'est comme vous voulez, qui va changer les courants à l'intérieur du clarificateur. Et c'est ce changement de courant qui va faire qu'on n'aura plus le phénomène de voile de boue dans le clarificateur. Ce phénomène de voile de boue nous pose des problèmes. Alors, attendez, j'appuie pas sur les bons boutons. Voilà, le phénomène de voile de boue est créé par les courants qui sont dans le clarificateur. Vous avez ici des couleurs. Les couleurs qui vous sont présentées, ce sont des couleurs qui vous donnent les vitesses. Vous avez l'échelle de vitesse ici. Donc, je reviens. Attendez. Oui, vous avez ici les échelles de couleurs. Vous avez le marron, c'est des couleurs relativement rapides à 20 cm heure. Ici, on est très lent en bleu. Et dans un système de Clifford, attendez, voilà. Dans un système de Clifford, vous avez l'arrivée des eaux qui se fait ici. Vous avez une turbulence au niveau du Clifford qui rabat les débits vers le bas. Et ces débits, vous voyez, arrivent dans la cunette du bas, là où on devrait récupérer les bactéries pour les recirculer. Ils arrivent, ces débits arrivent à grande vitesse et emportent les boues selon les flèches de la simulation informatique. Donc vous voyez que les boues sont balayées vers le fond, remontent en surface, au passage peuvent partir sur le déversoir, sinon elles continuent à remonter dans le sens des courants qui sont créés toujours par ce Clifford. Or, arrivées ici, elles commencent à plomber. Et elles ne peuvent pas descendre parce que vous avez un phénomène de remontée, ce qu'on appelle les courants ascendants. Et ces courants ascendants, vous savez, on les calcule dans les clarificateurs pour 50 cm à peu près, 50 ou 60 cm à l'heure, pour définir le miroir du clarificateur. Donc, on se trouve dans une zone morte ici qui s'appelle le voile de boue. Et les boues reste donc dans ce voile de boue à tourner en rond, dans cette espèce de tore qui fait le tour du clarificateur.
Et au bout d'un certain temps, les bactéries qui sont dans ce voile de boue meurent. Dans ce voile de boue, elles n'ont plus rien à manger, elles n'ont plus rien à respirer. Une bactérie, quand elle arrive dans le clarificateur, elle va commencer par dénitrifier, c'est-à-dire qu'elle va aller chercher l'oxygène sur les nitrates et on voit un phénomène de remontée des boues en surface du clarificateur. Ça, c'est de la dénitrification. Mais au bout d'un certain temps, ces boues se décomposent par la lyse bactérienne puisqu'elles sont mortes. Elles ne contrôlent plus les enzymes qui sont dans leurs cellules. Et ces enzymes qui sont dans la cellule font ce qu'elles veulent puisqu'elles ne sont plus contrôlées par la bactérie qui elle-même est morte dans ce voile de boue. Donc, la bactérie se décompose petit à petit et au bout d'environ 2 heures et demie, la bactérie se dissout et à ce moment-là, elle remonte en surface puisqu'elle est libérée de sa propre charge de digestion de produits qu'elle avait mangés dans le bassin d'aération. Et à ce moment-là, vous avez une remontée sur le clarificateur de boue morte, comme celle que vous pouvez voir ici. Et le SpeedoClar va éviter le voile de boue. Il faut absolument qu'on règle le problème des voiles de boue pour éviter cette zone morte, puisque dans cette zone morte, on relargue de la DCO, des MES et des phosphates. Pourquoi les phosphates ? Pourquoi on relargue des phosphates dans la lyse bactérienne ? C'est parce que la bactérie elle-même est constituée de lipophosphates. La membrane de la bactérie est faite avec des lipophosphates et ces lipophosphates sont décomposés par la lyse bactérienne. Donc on relargue à ce moment-là énormément de phosphates dans le clarificateur. Pour la petite histoire, si vous voulez avoir une idée de ce qui se passe dans le clarificateur, vous mesurez les phosphates en sortie du bassin d'aération et vous mesurez les phosphates en sortie de clarificateur, vous verrez, en sortie du bassin d'aération, vous êtes peut-être à 0,2, 0,3 mg litre. En sortie du clarificateur, vous êtes à 2, 3 ou 4 parce que les phosphates se sont décomposés dans le voile de boue du clarificateur. Alors, on a trouvé le moyen de régler ce problème en mettant le SpeedoClar. Le SpeedoClar, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, c'est un déflecteur. Vous en avez un en bas ici qui est représenté. Le déflecteur va nous permettre de changer les courants. Puisqu'on a vu que dans un sens, les boues étaient tenues dans ce voile de boue par les contre-courants, on va prendre les boues, on va les envoyer vers la surface et les boues vont être récupérées par les contre-courants. Donc, à ce stade-là, les boues et la décantent avec la vitesse des contre-courants. Donc, on a une vitesse de décantation qui est l'accumulation de la sédimentation et des contre-courants. Les deux vitesses s'additionnent. On retrouve les boues dans le fond du clarificateur et elles se concentrent vers le pot central. Si bien que pour quelqu'un qui fait de l'exploitation, il n'a pas besoin de recirculer les boues à 200% pour les aspirer du voile de boue qui est en sustentation, mais on les récupère tout simplement ici. Si on regarde les courants avec le SpeedoClar, on envoie les courants vers le haut et les courants et les vitesses de décantation s'additionnent et on récupère par le bras racleur les boues dans la cunette ici. Donc si je récupère les boues rapidement, il n'y a pas de lyse bactérienne. S'il n'y a pas de lyse bactérienne, il n'y a pas de MES, pas de DCO, pas de phosphate. Disons, moins de MES qui sont des pièces détachées de bactéries, moins de DCO puisque la DCO est dans la cellule de la bactérie non décomposée, et pas de phosphate puisque la bactérie n'a pas été décomposée. Notez au passage que si je n'ai pas de phosphate par ce système-là, je vais faire des économies de chlorure ferrique. Je n'aurai pas besoin d'utiliser le chlorure ferrique. Le chlorure ferrique est mortel pour les installations. Et vous savez très bien que le chlorure ferrique empêche également le fonctionnement des bactéries. Il est fait précipiter, mais il empêche le fonctionnement de la bactérie puisque c'est un coagulant et les bactéries se collent entre elles et ne travaillent plus sous l'effet du chlorure ferrique. Donc, voilà l'explication du SpeedoClar. Alors, le SpeedoClar, si vous avez des questions, vous pouvez les poser tout de suite. Bon, à tout à l'heure alors. Donc, avec le SpeedoClar, avec le système classique, on a le voile de boue qui est
quelque part au milieu de la masse, et on récupère ce voile de boue en espérant le récupérer avec une recirculation à 200%. 200%, j'arrive dans le bassin d'aération et je traverse donc le bassin d'aération avec une vitesse de 300%, c'est-à-dire 100 d'entrée et 200 de recirculation. J'arrive dans le clarificateur, je suis à 300%. À 300%, j'envoie les boues d'autant plus loin. C'est-à-dire que j'aurais pu très bien recirculer à 100%, j'aurais eu le même résultat, puisque c'est la carotte et l'âne et la carotte. Plus je cours, et plus la carotte s'éloigne. C'est le cas ici. Si je suis à 200%, j'aurai moins d'éloignement du voile de boue. Et si j'ai moins d'éloignement, je peux recirculer à 100 ou 150% au lieu d'être à 200%. Mais on va revenir sur le taux de 200%. Je suis à 100 plus 200, je suis à 300%. Je traverse le bassin d'aération à 300% en un temps T. Ça dépend du volume, bien entendu. Avec le speedoclar, je suis à 50%. Les boues sont concentrées. Comme je suis à 50%, la recirculation se fait à 50%. J'arrive dans le bassin d'aération, je suis à 100 plus 50. Je suis à 150. Rappelez-vous, le coup précédent, on était à 300. Donc, je double le temps de séjour dans le bassin d'aération. Et j'arrive dans le clarificateur à 150%. Si je suis à 150%, j'ai 100 qui partent normalement, une fois débourbés, et les boues recirculent à 50%. Alors, il y a beaucoup d'observations sur ce cas-là. D'abord, on va dire que 50% par rapport à 150. Si je suis, mettons, à 4 grammes dans le bassin d'aération, on peut être à 4 grammes, 5 grammes, 6 grammes, peu importe. On part sur une base de 4 grammes. 4 grammes dans le bassin d'aération, 150% à 4 grammes, je recircule à 50%. Je vous pose la question, quelle est la concentration dans la recirculation ? La recirculation étant au tiers des 150%, je suis donc, si j'étais à 4 grammes dans les 150%, je suis à 12 grammes, puisque je suis 3 fois plus concentré, dans la recirculation. Si je suis à 12 grammes dans la recirculation, premier constat, je vais d'abord avoir des extractions qui seront à 12 grammes et non pas à 5, 6 ou 7 grammes. Je serai à 12 grammes. Deuxièmement, donc le stockage est beaucoup plus petit, beaucoup plus concentré. Deuxièmement, le temps de séjour double, puisque j'étais à 300 dans le cas principal avec le Clifford, je suis à 150, je double donc le temps de séjour dans le bassin d'aération. Si je double le temps de séjour, c'est comme si j'avais doublé mon volume sans toucher au génie civil. Donc, une station, et j'insiste là-dessus, une station, mettons, de 3000 équivalents habitants devient une 6000. Une 10 000, 20 000, faites le calcul, 50 000, 100 000, etc., avec le même génie civil. Deuxièmement, au niveau de la recirculation, à 50%, j'arrive à 150 ici. Avant, j'arrivais à 300. Donc, le clarificateur est largement dimensionné dans ce cas-là. Et s'il est largement dimensionné, la société d'Ancilagne qui produit le produit, le speedoclar, qui a le brevet speedoclar, et je suis accueilli par notre commercial sur leur stand, nous garantissons, et nous l'avons constaté, on peut passer jusqu'à 1,20 m, on garantit 1 mètre. Attention, on ne prend pas de risque. Mais on garantit 1 mètre, mais on a constaté des départs de boue à 1,20 m par heure, par unité de miroir. C'est-à-dire que si j'ai 100 mètres carrés de miroir, je passerai 100 mètres cubeurs, garanti. Et à la pointe, on peut même passer un peu plus. Donc, je continue. J'ai fait une présentation très rapide. On peut rentrer dans les détails après. Les boues sont concentrées avec moindre débit de recirculation. Faible temps de recirculation, faible débit, on augmente le temps de séjour, le temps de passage dans le bassin d'aération. Arrivant dans le clarificateur, on augmente son efficacité et son potentiel de traitement. Mais comme les boues étaient concentrées,
je récupère des boues vivantes que je renvoie en tête de bassin d'aération. Je ne parle pas de la zone de contact, bassin d'aération. Parce que si je mets mes boues vivantes dans la zone de contact et que ça dure 2 heures ou 3 heures dans la zone de contact, ben, ça ne sert plus à rien. J'ai foutu en l'air la récupération des phosphates. Les phosphates sont encore sur mes bactéries. Si je laisse la lyse bactérienne s'emparer de la zone de contact, je perds mes phosphates et je les cumule avec les phosphates entrants. Donc, pas de zone de contact avec le spidoclar, ou s'il y a une zone de contact, on la chinte. On laisse le clarificateur et le bassin d'aération et on évite de créer une zone de contact. C'est très discutable, mais par expérience, je peux vous assurer que ça fonctionne très bien. Abandon du chlorure ferrique, puisque le chlorure ferrique, c'est pour bloquer les phosphates. À la limite, si vous reste des phosphates dans le système avec spidoclar, si vous restez quelques phosphates, 3 mg, 4 mg, je ne sais, vous pouvez les traiter après le clarificateur, mais pas dans la recirculation. Dans la recirculation, vous pénalisez l'action biologique. Mais après le clarificateur, vous pouvez imaginer un petit décanteur si vous avez encore des phosphates résiduels. Mais logiquement, vous ne devriez pas en avoir. Il n'y a pas de phosphates résiduels sur une station d'épuration équipée spidoclar, à condition de respecter quelques consignes. Si vous aviez, par exemple, la zone de contact, un refoulement dans la zone de contact, là, on va perdre les phosphates qu'on avait stockés dans les bactéries et on va se retrouver avec un excès de phosphates. Donc, je insiste, pas de zone de contact, bassin d'aération, recirculation et on évitera le chlorure ferrique. Le chlorure ferrique, ce n'est pas donné. Je répète, on est à 50%, c'est-à-dire qu'on divise par 4 l'énergie de recirculation. C'est encore un autre gain du spidoclar. Enfin, on garantit 1 mètre par mètre carré de miroir. C'est à peu près l'ensemble des éléments qui sont caractéristiques du spidoclar. Voilà une station, l'Envolon dans le 22. Avant, c'était ça. Et à 57 mètres cubeurs, on avait des départs debout. À 140 mètres cubeurs, on n'a toujours pas de départ debout. Attesté par le SATES 22. Ici, ben voilà une station à Saint-Méloire. La station de Saint-Méloire, voilà l'aspect que ça donne. On a Quêtreville, on a 50 stations qui sont équipées en France, qui sont toutes de cet aspect-là. Alors, adapté au changement climatique, aux économies d'énergie, tout ça, ça joue beaucoup. Pas de boue flottante, indice de rendement des bactéries. L'indice de Moleman excellent parce que on récupère des bactéries vivantes qu'on remet tout de suite en fonctionnement dans la station, c'est-à-dire qu'on réensemence avec les bactéries vivantes qui sont sorties du clarificateur. Donc on a petit à petit on a les aérobies qui prennent la place des filamenteuses et petit à petit on n'a plus de filamenteuses dans les stations. Les aérobies prennent la place des filamenteuses. Polymère, bien sûr, et avec un 12 grammes litre en extraction, vous pensez qu'au traitement au polymère avant de passer en centrifugeuse, par exemple, on fait des économies très sensibles également. Prédisposé pour la reuse, puisque on a un système très simple, je ne rentre pas dans le détail. Derrière, pour la reuse, il suffit de mettre un UV pour être tranquille par rapport à la réglementation actuelle. Et on ira faire de l'irrigation. J'espère qu'un jour, on pourra faire de la recharge de nappe quand on aura les homologations. Alors, faible coût d'installation. Les plus grosses stations, les grands 50 mètres de diamètre, par exemple, on n'atteint pas les 100 000 euros.
un 20 mètres ou un 30 mètres, c'est dans les 35 à 55, ça dépend des conditions d'installation. C'est généralement, compte tenu des économies qu'on fait faire aux chlorures ferriques, aux polymères, aux recirculations, à l'énergie de recirculation, c'est un système qui est rentabilisé dans l'année. Et si un peu, pour un peu, le bon Dieu de l'agence de l'eau vient nous mettre 50% de subvention dessus, c'est encore meilleur. Je suis à votre écoute. Ah, pardon. Allô, oui, bonjour. Est-ce que vous préconisez l'utilisation de coagulants organiques pour l'amélioration de la décantation des boues, en plus de votre système? Alors, dans l'industriel, ça peut être nécessaire. Oui. Parce que dans l'industriel, on peut avoir des sels solubles qui font que la densité des produits qui arrivent dans la station est telle que les coagulants vont aider à la coagulation, à la décantation. Oui. Parce qu'on est à la limite de la sédimentation. Si on est à 1005, 1006 de grammes litres de masse volumique, on peut avoir besoin de coagulants pour augmenter le diamètre des flocs. La loi de Stokes dit qu'un diamètre D descend à la vitesse V, mais 2D à la 4V et 3D à la vitesse 9V. Donc plus les coagulants sont gros, enfin les flocs sont gros, et plus on a un meilleur effet de décantation. Donc je ne suis pas contre les coagulants, mais à condition quand même de ne pas mettre des coagulants chimiques. De manière à ne pas perturber la fonction biologique des bactéries. Oui. Vous êtes dans des stations d'épuration peut-être? Non. Oui, j'ai encore une. Oui, pardon. Vous disiez moins de polymères. Oui. D'utilisation de polymères pour la déshydratation des boues, mais pourquoi? Parce que le taux de MVS diminue ou pour Alors, au contraire, ouais. On a un taux qui est plus concentré. Donc, oui. Au lieu d'avoir des polymères pour obtenir une concentration à 20 grammes ou des choses comme ça, on part à 12. Au lieu de partir à 6, on part à 12. Donc, obligatoirement, le gap qui reste à faire pour satisfaire une centrifugeuse est largement diminué. Donc la quantité de polymères est diminuée aussi. Si je comprends bien, vous vendez des polymères. D'accord. Société Veolia. Voilà. Je peux vous scanner. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le phénomène? Est-ce qu'il y a un élément que j'aurais oublié? Je ne sais pas. Je peux vous montrer des exemples, hein, ou des témoignages également. Je vais juste photographier votre... Voilà, merci. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui sont concernés par une station à équiper? J'avais une question. Oui. Messieurs, vous avez une station d'épuration dans la biscuiterie? Une station. Nous possédons une station avec un carbophile, une station bactériologique, quoi. Oui, d'accord. Donc, on peut pas installer ce type de. On n'a qu'un bassin tampon, quoi, nous. Oui, c'est ça. Oui. Pas. Voilà, d'accord. C'est une petite station. Oui. Mmh. Par contre, si avec le procédé Spidoclar, si vous vouliez changer pour une station à boue activée, vous avez combien d'équivalents habitants? Mais nous, c'est juste pour notre usine, hein, c'est tout. Hein. Ah, c'est une usine. Vous êtes un industriel. Oui, oui. D'accord, ok. Oui, oui. Bon, bah, écoutez, je crois qu'on a... On reste à votre disposition sur le stand A16, juste quelques mètres plus loin.